Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Blasphemous 2. Alors, on doit continuer à récupérer du coup les clés pour ouvrir les cages dorées dans lesquelles sont enfermées les colombes. On avait dit du coup que la suite du niveau allait se passer, donc la suite du jeu allait se passer là-bas. Et pour ce faire, je pense qu'il faut accéder depuis ici là. Mais par curiosité, j'avais découvert une nouvelle petite zone à la fin de la précédente vidéo que j'avais envie de découvrir. Ah non. Ah non, non, non. Bon, mais ça a l'air d'être par là alors, hein. D'accord. Oui, c'est ça qu'on avait vu dans la cinématique. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ouch. Ok. Ouais, ça fait un aller-retour, quoi. Alors, on va faire un truc bête, mais un truc utile. Alors. Et on va mettre résistance aux dégâts de feu. Bon, il y en a encore des cracheurs de feu ou c'est bon? Alors, on va peut-être descendre, sachant que le boss est vers le haut. Je me dis qu'il y a peut-être une utilité d'aller en bas avant. Ok, un chérubin. Pas bon. Oh! Ah merde, elle est morte du coup, non? Ouch. Mais du coup, il y a quoi à faire là? Je comprends pas. Bizarre. Ah, il est sauté tout en plus.
Alors. Ah, purge, d'accord, ok. C'est pour ouvrir un chemin. La fin que j'appelle depuis si longtemps de mes voeux arrive enfin. Porter mon suaire à cet endroit que je n'aurais jamais dû visiter. La sainte. Le tissu de Regula. Alors, un tissu où les traits de peinture représentent la forme d'un visage. Sainte Regula le portait comme voile, en symbole de vénération du saint à qui elle dévoua sa vie et sa mort. Penitent one, now that my face has been restored, I may at last speak to you. D'accord. My devotees will return to this chapel by virtue of your actions, and the sacrifice of the Blessed One, who will never be forgotten. Oh, Regula, seek my forgiveness no more, for you have it. Now you're by my side, and can rest your weary shoulders in my arms. As for you, Penitent, I am forever grateful. Vous avez acquis le souvenir de Regula. Regulus sat, you may go. Ok. Alors, symbole d'une pécheresse repentie qui porta le plus lourd des fardeaux sur ses épaules. Ok. Ça n'a pas trop d'utilité pour le moment. Ah merde, mais là du coup on ne pourra pas passer. Ah, attends, attends, mais là. Non ! Eh merde ! Allez, une tribu oubliée. Alors, par là. Alors, encore un truc avec le temps. Alors. Ah merde. Normalement, ça devrait aller. Ah, purge! Parlez trop vite encore. Et il faut être rapide dans celui-là. Serena du foyer attisé. Serana. C'est ça? Serana. Déverse un torrent de flammes qui inflige des dégâts de feu continuels. Non, je préfère le truc. Ouais. Ça m'a beaucoup servi pendant les combats de boss. Je préfère garder l'autre.
Par contre, celui-ci là, ça je m'en sers jamais. Hein. Ça, les amis, je préfère. Ouais. Allez, soigne-toi. Donc là, on peut pas y aller. Là non plus. La tour tranchée. Allez, go! Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce gros là? L'empreinte du scolopendre. Sympa le nom. Augmente considérablement la résistance aux dégâts de feu. Ben voilà! Fallait juste demander pour trouver celui à 3. Alors, ok, alors par là. Oh. Non, non, tout n'aille pas aussi vite. Thank you.
Y'a rien derrière. Et merde, allez vas-y viens. Crache-le un peu lui-haut. C'est beau ça, ça j'adore. De toute façon, au milieu, je peux pas y aller. Ouais, juste ouvert un raccourci. Je sais pas, par là, là-bas. Berceuse inachevée, encore une? Ouais, mais je vais arriver bientôt au niveau du prochain boss, non? Non, toujours pas. Je sais pas où elle mène celui-là. Ah, ça c'est bien ça. T'es...
Alors, on va juste améliorer un peu tout ça là. Tant qu'à faire, j'en ai plein. Appuyer sur carré, 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 ajoute une attaque puissante descendante avec des dégâts d'étourdissement accrus à la fin du combo. Parfait. Alors, créer une onde de choc mystique augmentée en effectuant le fardeau du péché depuis une grande hauteur. Ça a l'air pas mal. Ouais, surtout qu'en plus, celui-là, maintenant, j'ai... Ah merde! Ah, on retrouve la spéciale, le quatrième du combo, comme ça là. Ta! Ah ouais, non, là je pourrais pas monter dans tous les cas. Ça sert à rien. Ah ben voilà, enfin! Nouvelle capacité. La protection du descendant. Alors, le pénitent reçoit à présent l'aide des frères du miracle. Cramponnez-vous à leur ornement pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles. Eh ben voilà. Pas beau ça. Tant de zones inachevées qu'on avait pu visiter. Dorénavant accessible. Ah oui, on va s'amuser. Non, là, je perds du temps, là. Ah, merde. Mourir. Ah, j'ai quand même envie d'essayer de voir si j'arrive à la récupérer, mais ça va être chaud, quoi. Ah non, ça va. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Penitent one in bitterness. Voici la vengeance du funeste. Cesario. Cesario. Ah, il fait les nichons. Oh,
For asking for milk to flow from this loined breast. Ah, une scène dérobée. Food for this child of mine. La cruelle grâce s'est manifestée. I can still hear a sweet voice in the echo that seeks an outlet in these waxen walls. On this earth, supplication becomes punishment, and punishment itself becomes holy and pure. There is no more forgiveness for me, but perchance there might be for my child. Find the wax seeds and plant them before me. Trouvez les graines à cire et plantez-les devant moi. Will sprout sisters who will watch over my dans ces trous pousseront des sœurs qui veilleront sur mon enfant pendant que je partirai là où la volonté du miracle veut m'emporter. Mais j'en ai pas une déjà. Ah bon? J'en ai aucune? Ça m'étonne. Je pensais avoir au moins une. Bon alors c'est peut-être un truc à acheter que j'avais pas acheté dans un magasin, je crois. Allez, encore les grands là, je supporte pas. Oh non, 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 mais ça va, faut se calmer là, non? Ah non! Quand tu t'en prends dans la gueule, ah tu le sens passer, hein. T'es en revient où là? Ah, ça va encore, mais bon, ouais, chiant, quoi. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Non. Non, non, j'ai pas eu besoin de toi depuis le début, j'ai pas besoin de toi maintenant. Oui, oui, j'ai compris, il faut te lâcher de là. Mais bon, avant ça, j'aimerais quand même... Allez, mangeons ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Allez, vas-y, tu vas y arriver. Putain, mais tu vas y arriver à tomber comme ça? Merci. L'offrande votive couverte de rouille. Ok, augmente considérablement la résistance à tous les dégâts élémentaires.
Bah, il faudrait que je le mette, la dernière perle de rosaire. Je l'ai en plus. Voilà, de toute façon, on y était déjà allé. Alors là, on ne peut pas y aller. Oui, ça s'y accède depuis... En haut, je pense, il doit y avoir un passage dérobé, ouais. Bon, c'est sûr et certain. Allez, zone de boss. Sacrée zone. Hein. Oh, qu'il est laid. Oh, d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, ok. Mais qu'est-ce que c'est ça? En plus, faut taper que la tête d'en haut là. Ah, ça promet. Bon, mais il va être chaud celui-là. Pourquoi elle a récupéré toute sa vie?
Ah d'accord, ok, faut la bourriner quand elle fait ça quoi. Ah merde. Allez. Ah là là, elle bouge. Oh. Oh, oh c'était beau. C'était beau. Oh là là. Rien que pour la fin, je dois avoir un trophée. Allez, ça y est, la clé du conseil. Alors, nouvelle colombe de libérée. Alors. Tac 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 tac. The gaze of an innocent, looking for a glimmer of hope in the visage of so much desolation. It took nay more than that for the shape of a heart to be molded out of the air itself. Behind the most wondrous clouds that did turn the sunset crimson. Oh, innocent vision. You madeth the mirage true, relying on pure faith. 'Twas then that the miracle gained its last chance. Dove, who borrows thine cup. Il en restera plus qu'une. Vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. En plus, elle a le reflet et tout là. Ça envoie du lourd. Hein. Je trouve les cinématiques, elles sont jolies. Ouais. Même si elles sont courtes, je les trouve belles. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de disponible par là-bas? Oui. Oh, il est là, terre. Vous émergez de la tour que l'on croyait décapitée, mais peu d'entre nous savent que c'est en fait le miracle qu'il avait renversé. Alors, graine, voilà, graine de cire. Alors, l'une des graines de ceux qui résident dans le secret, les sans repos s'éveilleront un jour pour celui ou celle qui en aura
qui aura besoin de protection. Ok. La marque du martyr. Ok, bon, de toute façon, vu le nombre que j'en ai, je peux y aller. We have prayed. Come. Revenez plus tard. Ah, cet objet récupéré. Le baiser fervent. Pas mal. Du coup, on va pouvoir ça, comme ça, aller le donner à la main, là. Ouais, c'est ça, pour se laver les mains après qu'on les a embrassées. Celle qui veut les bisous, là. La meuf qui veut des bisous. Ouais, viens là, toi. J'ai entendu. Et après, ça sera où, du coup? Ouais, ça sera par là, là. Pas par là, en tout cas, mais ouais, ça sera par là. Alors. Faudrait que j'aille donner le truc, là, à celle qui veut les bisous. Là. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Nouvelle partie terminée, nouveau boss éliminé. Voilà, bon, après, il faut comprendre un peu le mécanisme, mais après, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Je dirais, il faut faire attention, là, quand elle charge, de aller à ce moment-là, il faut y aller, il faut taper, pour pouvoir l'interrompre dans son sort de soin, parce que sinon, elle récupère... Alors, je sais pas, là, c'était... Sachant que j'avais levé à chaque fois peu de points de vie, du coup, elle récupérait quasiment ou toutes ses points de vie. Mais est-ce que, par exemple, si tu arrives au bout, est-ce que si, par exemple, elle le fait et que tu n'as pas le temps de l'interrompre, est-ce qu'elle récupère toute sa barre? Je ne sais pas. Donc, dans toute façon, dans les deux cas, vaut mieux l'interrompre parce que sinon, le combat va durer plus longtemps et vous allez risquer une mort plus rapidement et de devoir tout refaire, c'est chiant. Voilà, mais bon, en tout cas, en soi, ça va. Essayez, voilà, de maximiser un peu les objets de protection, notamment avec des objets par rapport au feu et par rapport au miasme. Et sinon, dans l'ensemble, bon, après, c'est toujours un peu répétitif. C'est une boucle, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Un peu à la fin et tout ça, là, quand tu commences à voir les anneaux qui commencent à apparaître, bon, je m'attendais à un moment donné à ce qu'il y ait les anneaux qui apparaissent, puisqu'on a récupéré la capacité il n'y a pas longtemps. Ça aurait été dommage de ne pas l'avoir, notamment à l'utiliser par rapport au boss. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai réussi à faire l'attaque de fervent là, avec la clé mort, ben franchement, genre, sacré dégât, je l'ai fini, je l'ai défoncé. Heureusement, parce que je pense que sinon, ça aurait été chaud pour moi. Voilà, bon, en tout cas, on a fini, nouveau boss éliminé. On pourra, du coup, la prochaine fois, se retrouver avec... la dernière clé à récupérer pour libérer du coup la dernière colombe. Donc la dernière colombe qui est ici. Voilà, au milieu là, il en manque plus qu'une. Pour pouvoir du coup accéder aux dernières strates des hauteurs pour aller voir donc tout ce qui est le miracle et tout ça. Et le premier pénitent. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Sur ce, ciao ciao!